Salut les amis, c'est Serac. Salut les loups, c'est Kono. On se retrouve pour un nouvel épisode. De OOT. Et oui. Et Kono est dans la lumière, car Kono est une divinité, rappelez-vous. Sainte Kono. Sainte Kono, priez pour nous. Que le sel soit abondant. Que le Serac galère. J'ai pas besoin de toi pour ça, hein. Amène ton sel. Passe-moi le sel. On espère que vous allez bien. Nous, c'est parti, hein, on continue du coup OOT pour essayer de le terminer. Ouais, et on s'approche petit à petit de la fin, il nous reste qu'un seul temple à faire. Ah, ça y est. Il nous reste le temple de l'esprit. Ok. Aïe. Ouais. Je me cogne à ta chaise. Chanceuse. Écoute, hein, ta chaise a voulu se friter avec moi. Voilà. Je me dis bon. C'est pour ça qu'elle t'a agressé. Voilà. Elle m'a honteusement agressé. Agressé, frité, tout ça. T'as vu ça, la classe. Là, tu te diriges vers les Gerudo. Ouais. Pourquoi les Gerudo? Parce que c'est chez eux. C'est chez eux qu'il faut aller. Ouais. Si tant est que tu puisses y aller, puisque t'es un homme. Est-ce que dans tes portes ici. Ferme les yeux devant. Je crois qu'il y en a une autre là-haut. Écoute, regarde pas. On entend, mais je regarde pas. Donc je disais donc, comment veux-tu rentrer chez les Gerudo sachant que tu es un homme? Ah bah sans qu'elle le sache. Et qu'elle n'accepte pas les hommes. Alors qu'elles ont un roi, c'est quand même la blague. Hein. Ouais. Bon, ça, il faut m'expliquer. Et là, on va tenter de se balader sans qu'elle nous parle. Tenter. Ah, tu leur tires dessus carrément. Ouais. Hey mec, j'ai été enfermé là par erreur. Vas-y, gars, sauve-toi. Ouais, je me casse. Alors, en l'occurrence, dans le rondo, c'est plutôt sympa. Parce que vous avez qu'un seul des charpentiers à sauver dans les 7 normaux. Là, t'en as combien à sauver? Là, je crois qu'il y en a 3 à sauver, quelque chose comme ça. Je sais plus combien il y en a. Loupé. Elle, tu l'as paralysée. Moi, avec le grappin, tu les paralyses. Mmh. C'est toujours un même en fait qui revient. Non mais elles ont un sprite. Autant dans Majora ils en ont fait plusieurs tu vois. Bah ouais différent. Il y a 3 Gerudo que t'affrontes dans la forteresse des femmes pirates. Et elles ont toutes les 3 un sprite différent. Autant là elles ont toutes les mêmes. T'as un coffre dans la prison d'à côté, tu l'as pris. Ah non, c'était des pots. Je trouve que c'était un coffre de loin. Il aurait pu y avoir un coffre. De loin, on aurait dit des coffres, tu sais, vu que la couleur marron, un peu marron-gris comme ça, là. On aurait largement pu avoir un coffre. Il y a pas mal de rubis dans les pots, hein, d'ailleurs, donc si vous avez besoin de rubis. Bah, les Gerudo. Tu vois, tu peux faire ça.
Et tu peux même aller par là. Alors normalement il faudrait que tu aies l'épouvantail. Je dis bien en théorie. Mais si t'as les overboots, ouais, overboots, tu peux réussir à aller. Au passage, tu vois le bâtiment là juste devant? Tu vois ça là. Ça. Et ben en fait, quand tu te fais choper, il te balance là-dedans. Et il faut que tu utilises ton grappin sur la pièce de bois ici. Pour partir. D'accord. Alors là, c'est là où j'ai sauvé l'autre. Faut que tu passes sans être vu. C'est ça. Sinon, ils te foutent en prison. On s'y perd là-dedans. Ah, c'est un peu fait pour, hein. Ouais, mais bon, quand même, quoi. La Big Horn Sword, elle aide énormément. Ouais. Parce que t'as déjà dû nous faire beaucoup plus de dégâts. Et ensuite, l'angle d'attaque est pas du tout le même. Si tu fais, si t'essaies de faire la même chose avec la Master Sword, tu vas beaucoup plus clash avec elle. Alors qu'avec la BGS, comme tu tapes plus bas, du coup, tu fais vachement peu, tu les tapes vachement mieux. Tu veux faire quoi? Allez, toujours assommé. Et donc tu l'avais assommé, ça. Remarque, elle reste peut-être assommée. C'est possible. Qui sait? Mais bon. Et là, du coup, tu vas faire quoi maintenant? Il y en a encore un. C'est le quatrième. Je sais plus s'il y en a 4 ou 5 à sauver. Au passage, il donne des infos sur comment avancer après et tout. Ah voilà. Je pensais que tous les hommes, à part le grand roi Ganondorf, étaient inutiles, mais maintenant que je t'ai vu, je suis plus très sûr. Donc la carte de membre Gerudo, ce qui veut dire qu'on a le droit de se balader ici et les Gerudo nous foutront plus dehors. Ah bah c'est bien ça. Donc t'as plus besoin de les assommer en gros. C'est ça. Tu peux passer tranquille. On peut me leur parler et tout. Bonjour. Eh bah, c'est alors, sympa. Par là-bas, il y a ce qu'on appelle GTG ici. Donc Gerudo Training Grounds. Mais il nous faudrait force 2 pour tout faire. Donc comme force 2, on l'a dans le temple de l'esprit, donc on attendra d'avoir les gantelets d'argent pour revenir faire GTG. Si on décide de faire GTG, parce que c'est pas obligatoire. Elle est tellement hideuse qu'on n'a pas le droit de voir sa face. Je sais pas.
C'est bizarre quand même. Hein. Bah, elles se ressemblent, les Gyarados. Ah bah, ils n'allaient pas faire 50 prêtres différents. Hein. Mais ils auraient pu au moins en faire 2-3. Eh ben, il y en a plusieurs. Hein. Elles ont pas leurs armes, elles ont pas le le voile sur le visage. Oui, c'est vrai qu'il y a des spécificités. Le désert de la mort. El deserto de la muerte. Donc là, il faut tenter de suivre les poteaux. Poteaux ou les panneaux? C'est les poteaux qu'il faut suivre. Le panneau, il t'indique qu'il y a un vendeur sur un tapis volant qui peut apparaître. Il y en avait un là-bas, je crois. Là, 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 là. Ici. Ouais. En plus, là, on voit moins bien de nuit. Là-bas. T'as dit, tu sais. Il va y avoir une skull. Hein. Moi, je regarde. Ah. Merci. Tu prends pas tes flèches de feu? Non. Ça coûtera moins cher de faire un footing plutôt que de faire deux fire. Non, ça aurait été moins cher de faire deux flèches de feu. Mais ça bouffe des flèches. Maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il va y avoir un champ, il va y avoir un truc à faire, voilà. Et tu le suives? Ouais. Alors, il fait toujours le même chemin, hein, si vous posez la question. C'est en fait, il y a des lignes hein, qu'il faut pas traverser. Si vous voulez traverser, vous respawnez au début de la zone. M'en fous. Ce qui fait qu'en rando, il y en a qui apprennent ce qu'on appelle le Reverse Wasteland. Si jamais ils chopent le champ de TP de Spirit. Dès qu'on a les deux poteaux en vue, on fonce. Du coup, il y en a qui apprennent comment ça fonctionne et en fait, ils utilisent le champ de TP, donc le Requiem, pour venir ici. Et après, ils traversent le désert à l'envers pour aller à la vallée Gerudo. Mmh. Parce que pour aller à la vallée Gerudo, ça t'as soit besoin d'Epona, soit du long shot. Tu peux traverser avec le long shot si t'as pas Epona. D'accord. T'as pas quelque chose cette zone? Oui, Big Shark il l'avait mis. Il l'a refait dans Wind Waker. Wind Waker. Big Shark ça. Ouais, mais c'est un fou malade. Hein. Extrêmement sympathique. Oui. Qui plus est. Oh, il fait. Une fée cubique. Triangulaire même. J'ai envie de ouais. Dire. Une fée pointue. L'amour de Nehru, qui nous donne une protection. Si tu l'utilises, ça te fait un cristal autour de toi. Et tant que tu as ce cristal, tu peux pas perdre de vie. Par contre, tu perds de la magie en continu. Oui, ça. Et tu ne peux pas utiliser de magie autre que l'amour de Nehru tant qu'il est actif. Pour ça que c'est un peu relou en réalité.
Rico, Rico. Mais je peux pas pousser. Bon, on va à l'autre côté là. Faut pas parce que passer parce que t'es pas petit. Et ouais. On va voir ça. Faut qu'il soit tout petit. Mais qui est-ce? Shake. C'est carnet de shake. Corbeck ou un piaf. En gros, les apparitions du Sheik se résument à un chant, je te le donne, ciao. Un peu, ouais. C'est ça, hein, mon moi. Sheik, c'est son rôle. Hein. Tiens, le grand hibou. Il est reparti. Mais c'était bien la musique. Et c'est ça. Il est venu pour la musique, quoi. Mais sérieusement, et papy. Et on a la musique. Et tu vas apparaître là-bas. Ouais. De toute façon, ça, c'est les sons de TPR. Donc là, tu vas aller au temple, tu vas rajeunir pour revenir à au Spirit Temple pour pouvoir faire le donjon. Exactement. Ah, ces allers-retours, sérieux. Il y a quelque chose là, c'est obligé. Avec les cailloux en rond comme ça, trop bien mis, il doit y avoir une grotte. Il y a de grandes chances. Là. Puisque t'as rien à faire, tu veux bien avoir un service? Je veux dire. Au fait, t'es quand même pas un des 4 Ganondorf quand même. Je déteste non. Ganondorf. T'as des couilles, je t'aime bien. T'as des couilles, bah encore heureux, c'est un mec. Donc c'est Naboru. Ah, c'est elle, Naboru? Ouais. Qui est du la coup reine des la chef des Gerudo. C'est-à-dire quand elle suit les ordres de Ganondorf. Mais elle aime pas trop Ganondorf. Elle pense que faire la guerre à Hyrule, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à rien d'essayer de voler Hyrule. Pourquoi on pourra pas tout vivre ensemble en fait? Bah c'est ça, vivre en harmonie quoi. Je brûle, vite, éteignez-moi. Ah mon amour. Après, tu brûles d'amour pour moi, ça m'a bien compris. Ah, ça oui. On va le montrer aux viewers, peut-être. Alors là, il y a une astuce. Dis-moi. Parce que normalement, on est supposé passer de l'autre côté, faire tomber ça, avec les deux cristaux là, et ensuite utiliser le flambeau qui est là-bas pour allumer ces deux-là. Sauf qu'il y a une astuce. Ouais, peut-être tu viens ici. Tu
prends ce flambeau là et tu traverses la porte. Il s'éteint pas. Et comme ça, ça fait apparaître le coffre avec la clé de l'autre côté. Mmh. Alors au passage, Skull. Quarante-six quand même. Cet ennemi, il suit exactement le même mouvement dans la pièce. Ouais. Je vois bien ce qui se passe. Tu peux le tuer que par le feu, cet ennemi. Ok. Alors, c'est-à-dire que tu peux utiliser le feu de Dean, si tu veux. Oui. Comment tu l'as vu? Je l'avais pas vu. Œil de lynx. C'est parce que je sais qu'elle est là. Un floor master. Ouais. Et pas un flan master. Eh non, c'est pas le maître des flancs. D'ailleurs, mon flan au chocolat, tu l'as bien aimé? Ouais. T'es bon. Même si c'est pas moi qu'on ait le plus mangé, mais t'es bon. Très t'en refrais. Hein. Moi, tu sais, j'adore ça, le flan au chocolat. T'en refrais, hein, t'inquiète. Voilà, l'info du jour. C'est un qui aime bien le flan au chocolat. Mais il est bien le Serac. Alors après tu vas me dire pourquoi tu t'es fait chier à allumer les flambeaux, parce que de toute façon le coffre tu avais pas accès. Ouais. C'est très utile en rando. Parce qu'en rando, l'apparence du coffre correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, te dis si te dit quel est le type d'objet qu'il y a dedans. Donc si tu fais ça et que tu vois que c'est un coffre pourri, bah t'as pas à faire tout le tour. Voilà, t'as pas à venir ici. T'as pas à venir faire tout le tour. Et si c'est un coffre qui est intéressant, là ça vaut le coup de faire le tour. Ouais, là ça vaut vraiment le coup de faire le tour. Ok. J'essaie de les tuer le plus vite possible. Hein, j'entends, c'est pour ça que j'entends leur bruit. J'entends leur râle quand elles meurent. Et j'aime ça. Là, regarde. Non, je regarde pas. Oh, quel dommage, je l'ai fait péter en plus. Attention, l'interrupteur le plus creepy. Dis mais what quoi. Il est creepy le truc. On est d'accord, il est ultra creepy cet interrupteur. Des tchou. Des tchou tchou tchou. Des Pikachu. Tchou Mickey Mamou. Il y avait des Alphos apparemment. Quoi. Devant là, à part le coffre, enfin, derrière le coffre, c'est quoi cette espèce de statue?
C'est une statue de femme serpent. C'est une déesse serpent. Mmh. Là, c'est intéressant. Bon, faut savoir que Kono adore les serpents. Maintenant que t'as vu que c'était un serpent, il t'intéresse ce temple. Tout de suite les grands mots. Tu prends pas le. J'allais dire tu prends pas l'interrupteur, mais en fait faut que tu pousses le truc. Ouais, parce que l'interrupteur est bleu, ça veut dire qu'il faut que quelque chose reste dessus. Tu te demandes peut-être comment on ira de l'autre côté. La réponse c'est en adulte. Oh non, putain ça recommence. Ça a bugué. Ah bah pour la peine, non, mais fin épisode. Bon, bah c'est la course quitte, hein. Lâchez des pouces bleus, commentez, Stordi, partagez là. Et abonnez-vous. On se voit demain. Allez, au revoir, mon série. Nul. À demain.